Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je suis avec le général Seiko, voilà, de la brigade anti-sorcier. C'est la confédération, bien sûr, africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous sommes en plein cœur de Divo. Nous sommes à Divo, c'est justement la sortie de Divo. Ici, nous sommes dans le quartier qu'on appelle Bénin. C'est un village, le village de général, le président de la confédération. Voilà, donc ici, ça c'est l'axe Divo et Gagnoua. Voilà, ça c'est en de Divo en allant à Gagnoua. Ça c'est la voie de Gagnoua. Mais au fait, juste à côté le carrefour, nous avons un endroit où désormais. Non, pas le message, mais c'est maintenant que je... Voilà, nous allons sur un site qui était donné depuis 2009. Il nous a été donné depuis 2009 pour la création de. Des centres de prière et de délivrance, en même temps de rééducation. Voilà, d'où nous allons former des gens, des prophètes, des gens une qui vont. Une sorte de fondation. Une fondation, voilà, une sorte de fondation. Mais j'aurai l'occasion d'arracher quelques mots tout à l'heure, avant qu'on arrive sur le site, le président. Voilà, le président. Voilà, donc voici un peu l'entrée du site. Voilà. Ici, nous aurons carrément le live, c'est-à-dire que nous aurons le direct, puisque nous sommes en plein cœur. Zaroko sera carrément un centre de prière pour les malades. Ici, ça sera un endroit où les gens viendront de partout pour des veillées de prière et d'évangélisation. Et qui sera où il y aura la fondation, notre fondation, en même temps tout le siège, tout ça. Et il y aura aussi la centre de formation, de rééducation, d'école, en quelque sorte. Et puis des centres de métiers. Et c'est le site. Le site. Donc je vais arracher quelques mots, président. Voilà. Oui, merci, prophète maréchal. Je pense que c'est là la situation du site approprié, de près de 2 hectares, n'est-ce pas? 2 hectares. Déjà, les bâtiments sont en voie de finition. Vous le verrez tout à l'heure sur le document. Et vraiment, nous avons besoin de soutien pour rapidement achever ces travaux et créer un centre adéquat. C'est vrai, à Zaroko, il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde qu'aujourd'hui, nous sommes dépassés. Nous sommes surpris même par ce qui se passe, par l'événement, par la grandeur même de l'œuvre. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de voir un site approprié, c'est-à-dire ici à Divo surtout, pour permettre à tous les fidèles, à tous ceux qui viennent, n'est-ce pas, d'être proche des hôtels ici à Divo-Ville, d'avoir des points bien appropriés du point de vue hygiénique,